Salut tout le monde, on est ici à l'école Béatrice Deloge à Ottawa pour présenter un super beau programme qui s'appelle Voyage Échange. C'est évidemment en 2019. C'est un programme qui est fait par Expérience Canada qui permet à des jeunes Françaisquois de l'école. École canadienne-française, pavillon Gustave Dubois. De Saskatoon et des jeunes de Béatrice Deloge de faire un échange dans le fond. Fait que des élèves de Saskatoon sont venus ici pendant une semaine faire des ateliers, ils continuent quand même à avoir des cours théoriques quand même, mais ils font des petites visites en soirée. Puis la semaine prochaine, les élèves d'Ottawa vont aller là-bas en Saskatoon pour toute une semaine. Donc, on a fait quelques entrevues avec certains des élèves de Béatrice Desloges et de l'École canadienne-française, pavillon Gustave Dubois. Puis, donc, c'est ça qu'on va vous présenter. On espère que vous aimez ça. Ciao. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est quoi vos noms? Sophie et Emma. Moi, je suis Dylan Reddick. Dylan. Moi, je suis Julian Théorin. Moi, je m'appelle Louis Prince. Parfait, merci les gars. Comment ça a été, premièrement, l'accueil de venir à Ottawa, vu que vous venez de Saskatoon? L'accueil était vraiment bon. Like, les élèves étaient tous vraiment gentils. C'est une vraiment bonne expérience. C'est quoi un peu le highlight? C'est quoi l'activité que vous avez fait, que vous avez aimé le mieux faire avec vos amis Françaisquois? Cette semaine, moi je pense que c'était hier, qui était mercredi, on est allé à Arbraska. Oui. On a fait des tyroliennes. Il y a quelques personnes qui avaient peur des hauteurs, qui se sont privées de l'expérience, mais c'était vraiment amusant. J'aime beaucoup les cavernes du Flèche, je pense que c'est appelé. Il était vraiment comme amusant et c'était quelque chose d'unique. Très cool. On a vu les ateliers que vous avez faits aujourd'hui, théâtre, musique, art visuel. C'est quoi quelque chose que vous avez hâte à faire rendu en Saskatoon? Est-ce que vous avez un peu une idée qu'est-ce que vous voulez faire ou? Donc, une des choses que j'ai vraiment intéressée, c'est une danse rétro à Okay. leur école. Ils ont une danse rétro jeudi soir, la semaine prochaine. Je suis vraiment excitée. Je vais me costumer puis tout. Ça va être vraiment une bonne expérience. Emma, est-ce que tu as une activité en tête que tu aimerais faire là-bas? Mais moi, j'ai juste hâte de découvrir la ville, comme puisque j'ai jamais quitté l'Ontario et le Québec. Donc, j'ai juste hâte de voir comment c'est au Canada, mais dans une autre province. C'est quoi peut-être quelque chose que vous avez hâte de partager avec les jeunes d'ici? On a très hâte de partager notre lieu historique, Batoche, et bien sûr aller au centre de trampoline Apex. Ça va être trop cool. Ben, merci à vous deux. On est dans une classe de Madame Goulet. Oh non! Peterson, madame! Madame est en arrière, là, je voulais. Madame Goulet-Peterson, évidemment, c'est pas ses élèves, mais je voulais juste souligner le beau travail qu'elle fait dans sa classe. Il y a beaucoup de référents qu'on voit derrière, Damien Robitaille, Gabriel Goulet, Maître Gims. Donc, je voulais juste une belle manière de finir la petite vidéo. Merci à vous deux. Merci. Comme mot de fin, qu'est-ce qu'on aimerait dire? De la part de Béatrice Deloge à Ottawa, on vous remercie d'avoir venu. C'était super fun. Et nous, de l'École canadienne-française, pavillon Gustave Dubois, on a super hâte de vous accueillir. Cool. Bonne journée, tout le monde! Bonne journée! Yeah!